Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. Alors, escapade à déposer ses valises dans la vallée du Mzab. Est-ce que ça vous dit de venir visiter Rardaya avec nous? Allez, go! Bonjour, bonjour. Alors, laissez-moi juste vous dire qu'on est à Rardaya. On est arrivé hier avec toute l'équipe d'Escapade. On a passé pratiquement 7 heures. Nous avons fait plus de 600 km. Alors, je vous dirais qu'on était bien content d'arriver à l'hôtel Djanoub et d'y passer une bonne nuit. Mais d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai constaté, je pense qu'il a été rénové. On va voir, je vais demander tout à l'heure pour qu'on ait plus d'explications. Et sinon, aujourd'hui, un programme assez chargé. Alors, yallah, suivez-nous. Monsieur Mkhloufi, Mouchrak, Labes, Prère, donc vous êtes le directeur de l'hôtel Djanoub Rardaya. Donc, Laïsilmek. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu une rénovation. Tout à fait. Voilà, tout à fait. L'hôtel a été rénové depuis 2018, partiellement. D'accord. Il y a un programme d'être rénové via l'hôtel. Comme les chambres rénovées, c'était 86, qui sont partagées par rapport à deux blocs. On a le bloc A et le bloc C, plus les cabanières plein pied dans la terrasse de la piscine. Ça, c'est les chambres rénovées. La capacité de l'hôtel, c'est 221 chambres. D'accord. Comme il y a 14 suites. Et puis les cabanas, c'est 26. D'accord, voilà. Ok. Donc, ce que vous appelez les cabanas, c'est les voilà. Petits bungalows au bord de la piscine. Voilà, plein pied de la terrasse de la piscine. On va voir à travers les images d'Oussama aussi. Et par rapport au flux touristique, est-ce qu'il y a eu un. Voilà, tout à fait. Cette année 2021, je suis allé au Fondok Haraka, بين يعني السواح الوطنيين حتى المؤسسات اللي ميسون لهنايا نعرف وصلنا حتى الى تقريبا 30% من شهر جانفي حتى لشهر مارس سي سوبر عرفنا حركه اي نعم دونك سي par rapport à la pandémie donc c'est un mal qui enfin pour un bien entre guillemets ça a permis tandis que les citoyens algériens de découvrir et de redécouvrir l'Algérie, les coins et recoins Tana. Donc les frontières sont fermées, mais ils ont découvert un autre continent qui était le nôtre. Donc c'est formidable. يعني احنا نتابع يعني كل تاع الفنادق العالميه وهذا ما يحدث حاليا في مؤسسه التسيير السياحي لغردايا احنا راح نشهد ثاني كذلك هذا الفندق استمراريه في هذه الرقمنه كذلك المودرنيزاسيون سوبر Bah alors, nous, on va continuer notre journée. Merci beaucoup, monsieur Mkhloufi. Donc, l'équipe, on a rendez-vous avec Azdin, je pense. Voilà, une journée assez chargée. Yatek Saha, encore une fois, et à toute l'équipe. Aya, Allah yselmek. Allez, on y va. Oh,
Bon alors, comme c'est convenu, nous sommes au souk, au plus vieux souk de Redaya. Et en attendant de retrouver Azdine, vous savez, notre jeune entrepreneur dans le monde du tourisme, alors moi je vais profiter pour un peu visiter et voir ce qu'il y a. D'après ce que j'ai vu, il y a l'habillement, le tapis, la vaisselle. On peut aussi trouver les épices. Aïe. Un souk hyper animé. Est-ce que vous entendez le son du goumbré? Et là, je vois Azdine. Et là, je vois Azdine. Bsel khair Azdine. Moucharak. Labas Muntaya. Khair. Alors, Azdine fait partie de la new generation des entrepreneurs ici dans le domaine du tourisme de la région. Alors dites-moi, vous êtes Discover Redaya. Discover Redaya, nous sommes une agence, une start-up du service touristique. Ah, start-up déjà. Start-up du service touristique spécialisé dans le tourisme à Redaya. Très bien. On a une base à Redaya, il faut bien promouvoir la destination de Redaya. C'est super. Ou depuis quand vous êtes vedette? Ça fait 2 ans qu'on a commencé. On a déjà eu notre agrément en décembre passé, décembre 2020. Allahi barik, bravo. Oui. Et alors? Aujourd'hui, comme on a une visite de la ville de Tagherdayt, mm-hmm. Après, on va faire une pause déjeuner. Comme escapade d'or, hein, toutes les pauses déjeuner. Oui. Après, on va visiter la ville écologique Tafilet, c'est l'extension de la ville de Benizgan. Après l'Assar, on va visiter la ville de Benizgan, la ville sainte. On va commencer par la Tab Sharqi, le marché, d'accord, jusqu'à la tour de Boulila pour profiter d'une vue panoramique sur toute la vallée du Mzab. D'accord. Alors, Discover Redaya, vous proposez quoi? Alors, pour les touristes ou Kamel, comment ça se passe? On a des maisons d'hôtes traditionnelles et on fait des visites guidées. Aussi, en dehors, on fait du bivouac sur le désert. On passe des nuits sur... Mais c'est ça. En fait, c'est... Sahihnia, il a Marlotte aussi. C'est que Redaya aussi se... Enfin, elle a changé de manière de procéder par rapport avec le tourisme, par rapport aux touristes. Yani avant, qu'on ait Joe, ils chauffent la ville, ils rochent le souk et tout. Mais maintenant, que trop les voilà, comme trop Joe Barra, dérouler les bivouacs. Ça, on a essayé de créer des circuits H2. C'est très bien. Pour casser le rythme avec et j'aurais les chevaux, malgré ça, ou agaf les villes, oui, côté historique. Oui. Mais côté, aussi pour le loisir, là, je suis à Sahara, dérouler des sorties bivouacs, des sorties 4x4. Super. Alors, qu'on les dit maintenant, on va vers. On va vers Qasr Tagherdayt. Tagherdayt, je ne sais pas, je suis pas très très connu. Je sais qui m'a Benizgan, qui m'a. On n'en parle pas beaucoup. Qasr Tagherdayt, généralement, on ne se dit que le marché. وما تدخلش ل... ما يخلوه نو ماشي ما يخلوش مي الناس ما دائما تسمع بنيزغن بنيزغن فوالا هادوما اللي معروفين تحب تروح دائما فيزيتي بنيزغن وتخلي غردايا بار كونتر ميم غردايا كاين الطقس تاعها مليحه فيزيتي ودوكا كيما في لا فيزيت غادي نشوفوا واش الحوايج اللي تبدلوا حوايج جدد هنا في هاد القصر. داكور وين نشوف هاد لا بلاك فوالا هنا عندنا لا بلاك عندنا ديغاغل سويفي كيما لا فوتو بور لي جون سورتو لي فام انتيردي نصورو نتا ونصورو بون الناس يا دي جون كي فيف هنايا داكور دونك ما نصوروش عندنا لي زانيمو انتيردي باش نطلعوا معنا لي زانيمو كيما قلت باسكو الناس هي عايشه هنا داكور فو لي ريسبكتي لي زانيمو وعندنا فو ريسبكتي لي زوغ دي فيزيت ولازم يكون معنا ان غيد. Ah oui, donc on a une idée ou qu'on a. Entendu, soit il faut un guide, voilà. Bon, à Jaloula, je suis mort, toi, il faut se l'axer. D'accord. Je suis à. Labyrinthe. Labyrinthe, voilà. Et aussi pour avoir des informations. Khayli enti visiter blasa ou ma t'arfich عليها على l'histoire تاعها ou علاش دارتها علاش البنيان تاعها. Alors de préférence mليح يكون معنا un guide. Et aussi interdit de fumer في وسط القصر. D'accord. حرام علينا عندنا حرام التدخين. داكور اوكي بان اون يفا alors انا جي tout ce qu'il faut alors je prends pas les photos. Bon les photos pour les gens voilà ما نصورش الناس et surtout les femmes. J'ai pas un animal avec moi. C'est l'heure دوكا jusqu'à quelle heure حتى الظهر et j'ai un guide.
Donc alors, عندي laissez passer. Allez, alors on y va. L'Azaba, c'est des gens spirituels. Et dans l'histoire du Mzab, c'est eux le premier gouvernement qui gère cette ville. D'accord. Les Azaba, c'est eux qui assistent au mariage. Ils font la bénédiction, du'a, l'arrosa. De l'autre côté de la mosquée, il y a le conseil spirituel des femmes qui s'appelle Azabet. On l'appelle de langue mozambique Tim Seridin. C'est eux qui lavent le lavement des cadavres. Tout ça, tous ces gens-là, ils font ce de bénévolat. Had l'Azabet, si quelqu'un ne reconnaît pas son erreur, ici à la mosquée, il sera banni, écarté et marginalisé. Carrément. On l'appelle la quarantaine, la punition morale. On l'appelle l'iqab al-ma'nawi. Wesh ma3nta? Ça fait 7 siècles, 700 ans, on ne tue pas, on ne frappe pas, on ne prisonne pas. Si quelqu'un fait une erreur, il sera banni. Il ruh ldaro, chez lui, sa femme, il prend ses enfants, il part chez lui. Non, vous êtes banni, je ne reste pas avec vous. Il part chez les commerçants, non, on ne le vend pas, on ne vous vend pas. Il sera, il gouad wahdo, il dort. Il reste tout seul jusqu'à qu'il revienne à la mosquée pour demander pardon au Dieu ou à sa femme ou à son ami qui l'a volé, il sera libéré. Sinon, il y a comme le Zaire, par exemple. Il y a le Zaire, il dit que je veux louer un magasin, je suis de Gardaïa. Il dit merhaba, attendez, je vais voir le doyen des Mozambiques à Alger. Voilà où je te dis. Il dit que non. Non, 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 non. Il est banni. Il est banni. Il dit qu'il est banni. C'est ça le système qui a laissé. Système de la punition morale qui a laissé les Mozambiques disciplinés jusqu'à ce jour-là. Mais la mosquée, maintenant, on a les institutions officielles, la gendarmerie, la police, le tribunal, ils font leur travail convenablement, mais toujours le côté de la punition morale, il est dans l'effraction. L'effraction, chaque ensemble de familles est représenté, on l'appelle, comme moi, je suis dans une fraction de 5000 personnes, celui-là dans une fraction à 8000. Donc, Gardaïa, il y avait 120 000 habitants. Tout est lié par chaque fraction. Ils ont une salle de fête et leur doyen, Tajmat, le Kber, Tajmat. Azalouk, Tajmat, Karma, Mulkbaye. Azalouk, Tajmat. C'est lui qui représente toutes les familles. Par exemple, comme moi, je suis membre dans ma famille. Chaque fin du mois, on se réunit pour régler les problèmes sociaux. Les aveugles, les divorces. Et la femme n'a pas son trou, son lui dans l'argent. Un jeune, il veut marier, tu viens, on va faire le mariage. Tout ça, c'est grâce à cette solidarité. Et à cette solidarité, et plus que toutes les Mozambiques de ma famille sont ici des commerçants à Gardaïa, dans toutes les villes de l'Algérie, de Annaba jusqu'à Oran. Toutes les villes de l'Algérie, il y a des commerçants dans notre famille. Chaque mois, ils sont obligés de cotiser une somme d'argent pour mettre la justice sociale dans notre famille. C'est comme ça que ça marche, le Mzab. Et maintenant, on a une maison traditionnelle où il y a les coins de la maison traditionnelle mozambique. D'accord. Donc, le groupe Rafia, on déroule une petite visite à la maison. C'est un prototype, tu as une maison traditionnelle. Une chauffe-eau, un tisse-fri, un mastider, un tisse-lette. Traduction ? Oui. Au poste de bar, c'est un salon traditionnel. Et la chambre, tu as la rosa. Et la plupart des maisons qui mangent à deux, elles chauffent. Oui, ça, la plupart des maisons. Super. Alors, merci. Ah, bonjour. Alors, une maison traditionnelle. Très bien. Alors, je vais de la phrase. Oui. Bismis. Bismis. Slimane. Alors, je peux oublier un intelm. C'est, je l'ai bien dit. Oui. Ah, yes, super. Alors, monsieur Slimane, vous êtes guide. Hnaïa. Rire le Qsar Hnaïa. Qsar Gardaïa. Voilà, Qsar Gardaïa. À la vallée du Msa. Super. Donc là, on vous a suivi avec les touristes de Azdin, Trinda Maakoum. Et là, c'est la découverte d'une maison datée de 6,5 siècles, 650 ans. C'est un prototype de ce qu'il y a à peu près. Maison traditionnelle. D'accord. La plupart des maisons du Mzab, c'est des maisons, on le dit 7 sur 7.
Ça veut dire 49-50 mètres carrés. Eh. C'est des maisons évolutives, suivant le besoin de la famille. Le plafond, il est, c'est des gens qui habitent ici, c'est leur appel. Ça fait longtemps. D'accord. Vous voyez l'endroit de la chambre de la mariée. Maintenant, voilà. Ça, voilà. Ah. L'endroit de séjour, tisserie, le lavabo, la douche là-bas, la cuisine, et au standard, le sidar, où il y avait la lumière et l'air. C'est des maisons fermées à l'extérieur, ouvertes au ciel. Et aussi la cave qui se trouve ici à côté. C'est une récupération de surface pour dormir. C'est chaud en hiver. C'est mais là, déjà, il fait bon. Alors, Hadès, c'est le petit salon. C'est l'endroit de séjour de la famille. Voilà. La pâtisserie. Bitlqaad. Et là, c'est la cuisine. La cuisine, cheminée, avec cheminée. Voilà. Tu vois, les amis, parce que le téléspectateur, je suis avec moi. Ça, c'est la tenue traditionnelle qui porte les voilà. Je vois la petite cuisine. C'est une kitchenette avec... Voilà. Et là, ce que vous voyez, là, c'est la cave. Le trou, là, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, c'est la cave. Oui, la cave. C'est une récupération de surface pour cette maison, pour dormir. Voilà. Merci beaucoup, Azdin. J'ai adoré, moi, le prototype Hada. Bah, on se retrouve après, même si... Bon, le groupe Les Kouna M'ah Doka, ils n'ont pas voulu être filmés. Oui. C'est leur choix. Oui. Voilà, exactement. Bon, on te la fin de Hada. Acheter une bouteille d'eau, un chapeau, il commence à faire chaud. Et là, je me dirige chez Monsieur Nedjari. Pourquoi ? Ben pour parler tapis. On vient à Ardaya, on ne parle pas tapis. Donc, c'est comme si on n'était pas venu à Ardaya. Mais Monsieur Nedjari, il va nous parler du tapis d'une manière assez incroyable. Allez. Bonjour Monsieur Nedjari. Bonjour. Nedjar. Monsieur Nedjar. Alors on vous trouve au niveau du souk. Souk de Ghardaya. De Ghardaya. Très bien. Laïsilmek. Bonjour Bia Hbito. Nahki wa Zerbia. Kaïn la caverne d'Ali Baba au premier étage. Et qu'elle est comme la caverne d'Ali Baba. Wach fiha? Fiha 40. Non, لا يعفينا كل واش عرفتيها انا نعرف هذوك لي فولور يا يما حنا عندنا لي 40 فالور لي 40 فالور راهم اوبر ميريتاج تقدري كل زربيه تعرفي اللمسه نتاعها نقدروا نعرفوا الكاركتر تاع المراه اللي خدمت كيفاش مقلقه خاطي وبزاف حوايج نعرفهم من الزربيه بون اون فو سوي الوغ مرحبا واو On s'attend pas à voir ça qui nous connaît tehta. هذه انامل ايادي جزائريه وغرداويه. ولا هذا طابي يقولوا له مرقوم. مرقوم هذا الرقمه غردايا. كاين رقمه بني زقن، كاين العاطف وكاين بونورا. الرقمه سي هذا الجيومتريك. داكور. هالجيومتريك. ولو تابي سامبوليك هو هذاك الاحمر هذاك اللي يبان هذاك شاك موتيف فيه اكسبليكاسيون ثاني داكور نقدر ندرك ولا ايه اعطيني جوست ان تابي او موان اون فا ايسيي دو بيرسي دي ميستير كوم سا تاع او موان نعرف نولو نشوف لا بروشين فوا دي تابي هكذا نعرف نقراهم الوغ الا راكي محظوظه وشريتي زربيه من قبل ولا هذا وهالك فوالا وما تقدري نقرا لي سامبول بون الوغ مثلا كاين لي باني لي باني هنا يجوا ثلاث مشطات فيهم لي تروا كولور جون روج اي فير هذه انواع العلاقات قديم الزمن وحتى لدركا واحد قلبوا على السمره وواحد على التمره وواحد على الجمره زيد ولا حلف كمل بون حنا خلينا لو طون نستوعبوا لو راس كي تشري عليا زربيه نزيد
نفتح لك كامل لي كود تاع الزربيه، لازم تشري عليا حاجه. اه بون اي خلاص راه ماشي هذا طابي فولون، هذا راك احنا راني نحكي وراه يديك في فواياجي ا ترافير لو تان. هذا ابزيم، ابزيم شي ابزيم بكري الملحفه والبزيم داكور اي سي كوم اون بروش. فوالا اون بروش. والبزيم هذاك كل وحده تحطوا لها البزيم حسب لا طاي تاعها، بزيم صغير وحده صغيره، بزيم كبير وحده كبير. هذه الزواج يقولوا له قدود، كل واحد يدي على حساب قدو. هذا الفرش تاع العروسه لو لي دو لا ماري. هذا لو بلا دو كوسكوس. هادو لي 5 فيل تاع لا فالي مزاب، لا موسكي، وني الصندوق تاع لي بيجو، لي بالمي، لا غينيي، لي بيتي زوازو. واش لا غينيي؟ لا هادي كاع واش موجود في المنطقه. داكور. اوكي. كم. كاين في القديم كان ينقشوا في الحجره. وبعد في الزربيه ولا في قبل قلت لك غندوره، يقولوا لها لا غندوره بوزابيت. كي جاوا لي سور وداروا لها كوم زربيه ودخلوا بعض الامور تاع لي موتيف تاعهم كيما لي طوال دافيد كيما لا كروا، هما اللي دخلوها في داكور في الزربيه. درك نروحوا للحكايه تاع العروسه ولا المراه اللي تخدم. وي سي سكي ميتيريس. فوالا على بالكم الضغوطات النفسانيه اللي يكونوا في النساء والرجال وليجان وكل شيء، نهضروا على المراه. المراه خاطر تخدم، مادام تخدم يبانوا لي ديفو، كي تكون مقلقه يبانوا لي ديفو. الي با كونسونتري ماشي مركزه. فوالا ماشي مركزه. كي تكون مراه تخدم يعني مركزه، عندها مثلا ساعتين في النهار تخدمهم وتروح للخدمه خلاف، هذيك خدمتها تكون متقونه ما شاء الله. وهذه الزربيه هذه تخدم في ايكومار، ايكومار برومي ايتاج على الضوء الشمس، ما تخدمش على الضوء على على الكهرباء والتريسيتي خاطر لا لوميير دو جور. لا لوميير دو جور فوالا، وراهي تخدم كي تعيا شويه باسكو سا بيك لي زيو الخدمه هذه، وتخدمها ماشي منا، تخدمها من جهه هذه. اه بون منا الخدمه، واللي راهي يتفرج من هنا اللي راهي تطلع يعني من جهه داكور. هي هي هي. اه وي سي تري ديليكا. هذه هي العكس نتاع لي زارتيست. طارتيس لي زارتيس يخدموا الطابلو قدامه، يشوف الطابلو كيفاش راه يخرج. مي هذه لا، الولف تاع الموالفين، موالفين الخدمه يخدموها، تخدم هكذا 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 ومن بعد تشوف واش اللي راه ملهيل يشوف سكو سا دون. وكاين اللي يديروا المرايات هكا، دير المرايه وتشوف الخدمه تاعها من المرايه. ما كنتش على بالك بلي كنا جايين، دخلنا عليك ديريكتومون Et avec un grand cœur et un grand sourire, vous nous avez reçus. Tlatna de votre caverne. Ou atetna beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Marhaba bikoum. Ou marhaba billi jay. Min jihdkoum. Allah yisilmek. Yatek saha. Yatek saha. Quant à nous, eh ben, je vais laisser monsieur Hussein Khlas. Ou Khlas. Déjà là où il est plus rapide que moi. Aya. Alors, Tara Ousanfous, dernier d'Aoué, les Tuhaf, réalisation manuelle d'ouvrage. Moi, ça attise, moi j'adore ça, on va voir ce que c'est. Peut-être. Super. Ça s'appelle Nord, par exemple. Il est comme ça. Vous comprenez? C'est comment j'ai vu la plaque. T'as Aoussen Aoussen Oufous. C'est l'Amel Yadam. L'œuvre de la main. L'œuvre de la main. Donc tout ça, c'est manuel. C'est tout est manuel, c'est le travail de la femme au foyer. Ah, super. Oui. C'est une association ou c'est une association comme ça. Ah, mais... Pour occuper les filles et les dames, et puis à mieux gagner encore leur vie, Inch'Allah. Mais c'est super ça. Et voilà ce qu'elles font chez elles. Et donc les femmes, elles s'inscrivent ou là, c'est couloir de. كومون كيفاش حتى توصل لكم الخدمه؟ نو نو هذه سي فولونتي، هذه سي فريمون ايلا من لار. داكور. اي بي فو ابروندر مرحبا بها. دونك تعلموا لهم. اون اوبليج با. نو سي با لي اوبليج. قلت كيفاش حتى يوصلوا لكم
توصل لكم الخدمه تاعهم. لا لا نعلموا لهم نعلموا لهم كل شيء. دونك اون سيسبير دو تابي دو مزا اون جينيرال كل سي دي فريسك دو تابي دو مزا سي ميزون. Et voilà ce qu'elle fait. Bon, après 8 mois, une année d'apprentissage, voilà ce qu'elles font chez elles. Ah, c'est génial. Donc, elles viennent, elles apprennent. Merci. Et enfin, oula, eh ben, c'est super. C'est très coloré. Et on retrouve les motifs, le tapis. Voilà, par exemple, celui-là. Celui-là, c'est le tapis. C'est le tapis de Benizgen. C'est la chambre nuptiale du nouveau marié. نعم هذه كل نجبدوها من وسط لو تابي تاع الزمان تاع داكور. هذو سي دي بيجو تاع جداتنا الله يرحمهم. الله يرحمهم. واي اون لي في اون ريليف اي بي افيك اون ماتيير كو نو نوارسي با. داكور. اي سي دي سي دي برودوي كي سون مي ا لا فونت. كي سون ا لا فونت. On leur donne la peinture et le produit, le support. Elles ont 4 cas à s'appliquer, travailler. C'est tout. D'accord. Yannirie, c'est le manuel. C'est le manuel. Voilà. Khedmet Aïdha, quoi. Voilà. Vous savez, il y a des travaux qui sont vraiment difficiles à faire, comme le miroir. Ben oui. Mais sur par exemple, ce travail, c'est un travail vraiment minutieux. Oui. Ouais, c'est les détails. Les détails. Hmm. Par contre, un cadre comme ça, c'est encore c'est plus facile. Oui. On essaie de mettre en place pour avoir plusieurs prix, plusieurs. Dans la vente. Et, chaque produit selon l'horaire, D'accord. Et le temps, les qu'il y a de faire et les khadmet. Et vous constatez, c'est de la peinture sur verre. Oui. Même Hadi, c'est de la peinture. La peinture sur miroir. Regardez, c'est pas. Ah, je pensais que c'était du bois, Reda. Non, c'est la même chose. C'est très bien. C'est pour ça qu'on a comme grip avec des pincettes. Oui. Et puis les gens, ils font long. Bah oui, moi je pensais. Ah, d'accord. Bah, c'est un joli encadrement, ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les couleurs. C'est pas sombre, c'est pas. C'est des couleurs en général, c'est couleurs amazigh. Amazigh, oui. On retrouve beaucoup le jaune, le vert, l'orange, en kabylie, chnawa, le mzab. Oui. Par contre, les couleurs sombres en général, comme noir ou là, c'est Touareg. Toujours touareg et chaoui. Chaoui. Selon le malhaf ta jdatna, كل واحد عنده. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et ben, monsieur. Yahya. Monsieur Yahya, merci beaucoup parce que c'était au passage et j'ai trouvé ça à l'écriture. Bah, c'est une très très belle découverte, une très très belle surprise. Je rappelle que vous êtes au niveau du souk. Souk. Qui fait chez Alfouk ? Yahya, il dit Monsieur Yahya. Traoussanoufous. Voilà, l'adresse est dite. C'est très bien. Bah, bravo les femmes. Yatekoum Saha encore une fois. Il y a une main comme ça, féminine, derrière tout ça. Moi, j'adore. Bon. Bah, On est complémentaires. On va dire qu'on est complémentaires. Dieu merci. Madame, une fois j'entends ça. Oui, on est complémentaires. On n'est pas peut-être pas au même niveau, mais on est complémentaires. On est à nous. Mais vous avez toujours le niveau supérieur. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On n'a rien dit, s'il vous plaît. Allez, à bientôt avec ça, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Alors hier avec Houssi, nous avons fait le tour du tapis, des significations, des messages qu'envoie la femme à sa fille et tout. Bon bref, aujourd'hui on est revenu au souk, mais pour parler du pantalon. Alors je marque juste un temps d'arrêt. Alors il y a ceux qui disent Sarwal Mdoua, Sarwal Loubia, on va voir tout ça, mais on est venu chez Saleh pour qu'il nous explique tout ça. C'est son magasin. مساء الخير. النور شكرا. مش راكم لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. نحوس على صالح. ايه صالح معنا في المحل الاخر. ما كانش هنا. ما كانش هنا. وش المحل؟ او غير هنا. غير من هنايا؟ تفضلي معنا. بون تفضل. مساء الخير.
يعطيك الصحة أبو الجمعة، بارك الله فيك. مرحبا بك. الله يسلمك. كي نشوفو من برا ما على بالناش لا كافيرن دالي بابا هنا. حنا بور لي زانفيتي الضياف، بلاصة تاع تفصالها تاع خدمة. هنايا بريباري لو برودوي تاعنا. داك دوك انت تبريباري يعني يدويا تانيك. بيان سور بيان سور. ما لا ادريس شابه الوغ جيت ليها. مرحبا بك، صافي بليزير. الله يسلمك يعطيك الصحه. جوستومون هذا اللي بين يديك هو اللي جيت عليه. وي وي. الوغ سي صالح، انت هنا في السوق شحال عندك؟ صافي دي زاني. صافي دي زاني بيان سور. لو ميتي هذا دوك انا حبيت نعرف حاجه. هذا السروال لان نشوفوه كامل يلبسينو، الو واش اسمه ديجا؟ كاين حنا يسموه سروال مدور، كاين يسموه سروال لوبيا. اسكو ديجا هادو مال الاسماوات هادو لي زابيلاسيون صحاح ليكم لهنا اللي يسكنوا لهنا؟ التسميه الاصليه تاع السروال هذا اصلا انا ما نبغيش كلمه تاع هذه سروال لوبيا، سروال مدور، سروال مدور، سروال حوكي كما يقولوا في جماعه العقيبه ولا انا ما نحبش الكلام هذا. احنا نعيطوا له سروال جدود. جدود سروال جدود هنا في غردايا لو سالي روم قاعدين في الجزائر محافظين على هذه الاصاله. داكو. واسكو كاين سروال؟ واسمحي لي من فضلك. نعم. والسروال هذايا هو من عهد الاتراك. داكوغ. احنا باش تكون امانه تاريخيه. نعم فهمتي، الواحد ما ينسبش كلش لنفسه. احنا درنا فيه تحسينات. هاد السروال هذايا خمو فيه جدود، فيه سطره، فيه الشخصيه، فيه فيه الرجوله، فهمتي كيفاش؟ داكوغ. احنا جدودنا كي خمو فيه عارفين الايجابيات نتاعو اكثر من حاجه اخرى. داكوغ. ما في الصلاه، في الركوع، في السجود، عليز تكون فريمون تري زاليز. عندنا سبع قصور في غردايا. الله يبارك. وي جو سي. عندنا مليكه بون بداو بي غردايا، عندنا مليكه، عندنا بني زقن، بونورا، العاطف، بريان، القراره. اوكي. هادو اي يجيني اي مشتري يدخل عندي، اي مشتري يدخل عندي نعرفوا اكزاكتومون واش نرجع. انكرويابل. حنا نشوفوهم كامل كيف كيف، ما بالحطه تاع الشاشيه تاعو كي حطها نعرف هو منين. اعطينا ان او دو. نعطيك مثال. غردايا احنا عندنا الحجر فيه 30 جوسكا 35. وشنو 30؟ الحجر هذا هو الحجر يجي من لهنا. زعما من لهنا تلقاي 30 ولا 35 سنتيمتر غردايا. داك غردايا ومليكه وتلقاي لي بلي شويه هذو تاع لو مولي هذه. اكزاكتومون. داكور 30 و 35 برسك نوفو دو جونو. داكور. مي هنايا تلقاي لي بلي رقاق شويه. اوكي. وي لي ديتاي دي ديتاي يعني. مليكه شي كيف كيف، مليكه شي اتمليشت برسك لو ميم سيستم كيما حنا في غردايا. عندك بني زقن، بني زقن عندهم 25 سنتيم با بلوس هما والعطف فيه 25 سنتيم. مي لا ديفيرونس نتاعهم بين بني زقن والعطف انه العطف عندهم لي بلي كيما نتاعنا في غردايا يجيو خفاف، يجيو ليفا. مي بني زقن با ميو دو 1 سنتيم. داكوغ. ايه راهي يعني كي نقولوا سي دي ميزور ساكي، سي دي ميزور ساكي. ايه سي سا. وعندك باغ اكزومبل هاد الودن هادي تاع الجيب. غير حنا في لي ريجون بون كاع القصور يديروها، عندك غير بني زقن اللي ما يديروش الودن هادي. شحال المتر هكذا فيه انا؟ بون كيما هذا سا ديبون كل واحد وكيفاش. زعما هذا كيما قلت لك باغ اكزومبل بون لا موين توجور دو متر 2 متر 80 جوسكا 3 متر. 2 متر 80 جوسكا 2 متر 2 متر 80 2 متر 50 جوسكا 3 متر جوسكا 3 متر 10 برسك سويفون لا لونغور دو مسيو. امبوسيبل تلقاي واحد مثلا في عرس ماشي لابسها. ماشي لابسها. بون سي لامبوسيبل. ما كاش جين. امبوسيبل امبوسيبل ممنوع منعا باتا. تجين في وسط عرس ولا في وسط فرح ولا اي حاجه مونك دو ريسبي. مونك دي ريسبي اكزاكتومون. اون بليس الناس قاعد تشوفوا بعين يعني ماشي عين يعني يعني ما احترمش الناس اللي يهضروا له وينصحوه روح البس عبايه استر روحك. المهم حنا كي يجيونا ضياف احتراما للتقاليد نتاعنا والمشايخ نتاعنا كي نجيبوا ضيف يلبسوا له سروال تراديسيون هكذايا ولا يلبس عبايه كيما هذا كيما هذه ويكون مام دي شوفونور تاعو خرج شابين قدام الناس. ديرنيير كيستيون بصح باختصار صح، شكون اللي يخيط هاد الخياطه هادي؟ سيرتو لي بونطالون تراديسيون هادو من كراس لي فام. بيان. وحنا العماره اللي كتشوف فيها كاع في الحانوت وكان ماشي المراه
اللي راه يتعاون الراجل وقايمه بالمهمه تاعها مالغري تلقاها قاعده في الدار، بصح عندها عون كبير وعندها اساس كبير للراجل. انا لو بوت نتاعي كيفاش انه الناس تولي الاصاله تاعها، ماذا بينا الثقافه هذه نبلغوها الاولاد نتاعنا والحباب تاعنا، انه ما يسمحوش في التاريخ تاعو، ما يسمحوش في الاصاله تاعو، بوكو بليس ما يسمحوش في بلاد. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moucharak. Ça va? La baisse. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Alors, Hôtel Mzab, c'est l'un des meilleures réalisations de l'architecte, de ce célèbre architecte Fernand Pouillon. On a vu ça. Alors, Fernand Pouillon a fait plusieurs réalisations en Algérie. Mm-hmm. Parmi les réalisations, cet hôtel. C'est comme un bateau échoué, c'est vu du ciel, c'est comme un bateau échoué dans le désert. C'est vrai. Ah oui, donc c'est l'un des meilleures réalisations de Fernand Pouillon. Donc dans pas longtemps, vous allez recevoir. Inch'Allah, bientôt on va ouvrir Inch'Allah cet précieux hôtel. Oui, qui, mais j'ai hâte parce que cet hôtel, c'est pour moi le meilleur hôtel au niveau de la région. De la région. Ah, c'est un hôtel de 150 chambres. Il est composé de 4 blocs. Et 18 avec. D'accord. Alors les 4 blocs avant c'était on les a renommés par des Qsor. Anna, j'invite tout le monde à le visiter. Ah oui, moi aussi j'invite tout le monde pas qu'à visiter mais l'hôtel à venir passer. Pour moi c'est un plus pour le tourisme algérien, le tourisme en Algérie. C'est un joyau pour le tourisme en Algérie. J'imagine que ceux qui l'ont connu il y a quelques années auront envie de revenir et de retrouver. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, il y a un peu de bonheur à la sieha. Inch'Allah. Chouf, il n'y a pas de jazz. Donc, il y a un peu de bonheur. Inch'Allah. Du souk, nous avons rencontré Slimane et ce dernier nous a invité à venir découvrir son gîte, le gîte terriste. On va savoir pourquoi ce nom. Merhaba bik. Assalam Slimane, mcharak. Salam alaykoum. Lebas khair w nta ya. Alhamdoulillah, ça va, merci. Alhamdoulillah, aina, aina bak souk hadak. Ma ykhlasch. Il y a beaucoup de belles choses, kayen hajat haylin et tout, mais bon, je pense une journée ma tkfich. Ma tkfich. 2-3 jours, oui, ya rabbi. Mais hna rak hayla, rahna tarbi, le calme, c'est très agréable. Alhamdoulillah. Ou hada le gîte ou smo? Terriste. Nqolou douka ou la on ba3da ou alash smo terriste? Hein? On va pas on va dire aux téléspectateurs ou alash smo terriste. Terriste blemzabia, c'est la sieste. La sieste. C'est le repos. C'est le repos. On a beaucoup de clients qui jiou lehnaya après le l'aya kima ta souk lyom, ils dkhlou, ils fatrou. غردايا معروفه بين الظهر والعصر انتر ميدي او فات ريزور حتى 16 توتي فيرمي داكور الناس يروحوا يفطروا ومن بعد يديروا لا سيست ما جابري بيان افيك نوتر ايكيب نسيو هاد العفسه نسيو نفطروا ويديروا لا سيست جو سي با دونك ابري استكو لو جيت تاعك فا نو دوني انفي دو دورمير ولا اون فا ايسيي سا مرحبا بكم اون اي فا مرحبا alors قول لي هاد لو جيت il existe depuis combien de temps 16e année Ça prouve que ça marche. Alhamdoulillah. Donc Slimane, il y a une capacité de combien de chambres non? On est dans 12 chambres. On a peut-être 20 chambres dans le flagrim. D'accord. Et là, les clients sont toujours alhamdoulillah, satisfaits. Tu veux mettre en avant la qualité et non pas la quantité. Exactement. J'adore les rideaux et tout. Ça fait une entrée genre passage secret. Voilà. Un qaida traditionnel, bien comme il faut, mida... Alors là ça se passe là où je là c'est au Sadar. On a fait le gîte garder le style de typique de la maison du Mzab. Au Sadar, la cuisine, le verre ferroviaire, tisferi. D'accord. Voilà, هنا يا وين الناس تفطر تتعشى ويتقهوا الصباح و انا نشوف شنو هذا ولا او سخون بيان سير شفتي Ah ben quand je bois du thé, je ne peux m'empêcher, je suis désolée.
C'est une manière de nous dire bienvenue. Donc, la fille qui se justifie. Bsahetkom. Bsahti. Et donc tu disais blé comme quoi hnaya c'est هنا يجيو يقعدوا pour manger. Même le but d'Egypte, il y a des gens qui sont من Alger, l'autre d'autres villes, ils تلاقاو 90% des clients اللي دخلوا عندنا ولا les invités تاعنا يروحوا حباب. وكاين بزاف دي سيربريز يتلاقى واحد ولا فاميلتو ولا حبابهم ويروحوا كاع كيف كيف. جيماجين ان 16 ans t'as vu des histoires des filles هكذا des gens اللي تلاقاو ça faisait longtemps. Il y a des gens تلاقاو quelque temps depuis 40 ans ما تلاقاو des architectes ils sont donné rendez-vous تلاقاو كامل هنايا. Incroyable. Des سيربريز. C'est bien. Nous, on adore ce genre d'histoire à escapade. Voilà. Et bon, moi, tu as attisé ma curiosité. Je vois là, qui m'a contrôlé là, Stéphane ou là, Oustadar. Et les chambres. Les chambres, il y a le couloir plein de chambres, enfin une dizaine de chambres là. D'accord. Tu dis couloir, donc j'ai une petite fine les chambres, c'est ça. Une petite fine, exactement. Ah oui. On a fait l'architecture du Mzab, c'est des chambres. Puis Oustadar, on a gardé là. Je ne sais pas si tu peux voir Oussama. Tu as cette perspective, donc. Côté Hada Kamel, c'est les chambres. C'est des chambres, voilà. D'accord. Il y a des chambres différentes. Il y a des chambres parents avec chambres d'enfants. Il y a des chambres de grandes lits. Il y a plusieurs types de chambres. Ça veut les familles algériennes. Super. Donc, on a donné des chambres simples. Avec le temps, il y a un besoin. Les familles, d'abîmer ou l'aide, mais elles ont d'accord. Tu me suis, Oussama. On va voir. Hada, c'est une chambre. Voilà. Donc, c'est une chambre avec un grand lit. Super. Et donc voilà, tu peux voir on a un lit de place et une deuxième pièce en fait. Donc bon, t'es les djibouna là. Moi j'ai djibouna makla. Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener à manger? Ah écoute, dans la région certainement un couscous. Hein. Ah bon? Un couscous traditionnel, je pense à mon avis. C'est bel marqa. Une tam à la belle? Ah oui oui, de la couscous. Ah, Slimane. Ah, t'avais raison. Double couscous. Ah. Mais c'est un couscous. Eh ben oui, on y chauffe le ying et le yang. Voilà, qu'un couscous aux herbes. Eh? Il souffert. Il souffre. Il souffre de la mzabia, c'est le doigt. D'accord. C'est des plantes médicinales. Les premiers jours, tu as le khrif, il souffre. Et il faut que tu aies le khrif, il protège. D'accord, c'est une protection. Eh là là. Ou avec la même sauce rouge, nous avons fait un fils. Je vais faire comme Zoul. Oui. Super. Avec la viande de Mkhloul, c'est le petit chameau. D'accord. Allah yisselmak. Merci beaucoup, Slimane. Avant de quitter le gîte terriste qui se trouve à Rdaya, nous avons fait une rencontre assez surprenante et qu'on a voulu partager avec vous. Alors, moi j'ai rencontré Arne. Non. Hein? Arne. Arne. Mais mes amis algériens, ils disent Ranou. Ah ben c'est super. Alors Ranou, alors vous êtes de quelle origine? Je suis Daïman, je viens de Belle. Super, ben bienvenue. Donc merci. C'est votre première ici à Rdaya. Oui, c'est ça. Au gîte terriste. Et donc vous venez d'arriver par route. Ça va, ça n'a pas été... Oui, j'ai conduit. C'est... Ah, c'est génial. Ouais, c'était super parce que nous sommes partis de... D'Alger. Oui. Et sur le Atlas, sur Blida, et c'était très joli. Et après, avec chaque heure, c'était plus le désert. Oui. Désert. Vous avez vu un peu le vent de sable, non? Oui. Oui, sur vous avez route, trouvé ça. En Amman, nous avons la neige sur la route, et ici, on a la neige de Sahara. Oui. Mais on a parlé de votre projet, moi. Pourquoi je voulais partager ça avec les téléspectateurs? Ouais. C'est que moi, c'est le projet que vous avez fait. Ah oui, vous avez à Timimoun. Oui. Vous avez participé à un projet qui n'est pas commun. Oui. Qui est extraordinaire. Oui, parce que je travaille pour l'ambassade d'Amman. D'accord. Je travaille dans le secteur culturel. Super. Et avant Covid, j'ai planifié, ou nous avons planifié avec un ami ou un collectif à AIG. D'accord. De faire un échange interculturel entre l'Amman et l'Algérie. D'accord. Et un échange interculturel dans la scène du techno. Parce que Berlin, c'est la capitale du techno européen. D'accord, la techno-musique. La musique électronique. D'accord. Oui. Maintenant, à Timimoun,
devant les Ksar et dans un hôtel et tout ça, avec les Aïli, c'était un groupe de 16 personnes. D'accord. Et avec les deux artistes de la musique électronique. Ouais. Et nous allons faire un échange interculturel entre le nord d'Algérie et le sud. Et les deux groupes, oui. Donc il y a le nord techno d'Alger du nord, ouais. Et Ahlil, et vous aussi. Ouais. La musique allemande, normalement, mais on va essayer la prochaine fois parce que il n'y a eu pas de chance de. Ouais, oui, vous n'avez pas pu ramener les artistes, ouais. En attendant parce que les frontières étaient fermées, mais ça vous a permis d'entendre, enfin de voir et ouais. D'apprécier la musique d'Ahlil. Ouais. Ouais. Malheureusement, je ne suis pas parti à Timimoy. Ah, pas encore. Oui. Ouais, pas encore, mais nous avons fait le projet. J'ai eu quelque chose de faire à Alger. Je sais pourquoi je suis resté à Alger. D'accord. Mais j'étais aussi dans les autres régions, aussi maintenant dans la Grande Sud, à Hadaya, et aussi à Bor, j'étais à Janet deux fois. Maintenant, avec les Touaregs, c'était incroyable. Avec, c'était magique. Le Tadra aussi. Rouge et le Tassili Nadjer, c'était super. Et aussi à Oran, une très belle ville, et aussi à Constantine deux fois. Déjà, c'était. Et à Tlemcen aussi. À Tlemcen aussi, ouais. Oui, c'était un jour. Et ces régions-là, laquelle qui vous a le plus marqué ou qui l'a, sans jalousie hein, pour les autres régions, mais oui. ce qui reste marqué, oui, qui vous a marqué. Je pense que c'était vraiment Janet. Et c'est pourquoi nous avons dit, d'accord, on va partir pour une deuxième fois. Parce que là, cette visite avec les Touaregs, nous avons habité avec les Touaregs dans le désert pour une semaine. C'est incroyable. Ils ont fait la musique très belle. Et ils ont fait, oui, tous étaient avec les Touaregs. C'était comme habiter avec les Touaregs. Ouais. Ils n'arrivent pas à trouver les mots et je peux comprendre. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette rencontre qui était inattendue. Et je tiens juste à préciser la tenue de Ranou qui est de la région saharienne. Ouais. Hein. Avant demain, j'ai eu anniversaire et j'ai dit à mes amis, oh, je cherche cette costume très traditionnelle et ils m'ont pas dit qu'ils ont déjà acheté. Et pour mon anniversaire, ils ont acheté et ils m'ont donné. C'est ça. Eh ben c'est très joli, ça. Merci. Vous va très très bien. Merci. Moi, je vous souhaite un agréable séjour à Ardeya. Merci. Et en attendant de voir le projet se concrétiser, oui, comment vous l'avez appelé le projet? C'est le projet El Montanique, parce que c'est le collectif de AEG, notre partenaire, et il s'appelle El Montanique. D'accord, ouais. Très bien. Ben alors, bon vent, Ranou. Merci. Et bon séjour à Terriste, à Ardeya. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. قلبي من كل هوا وعقلي صار شتى قلبي من كل هوا وعقلي صار شتى وغصاني غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات اشتكوا بحب غيري وما قالوا ويل على العهد ويل على العهد المحبة لازال ولازال ناس غردايا راهم بارتو دون لو مون بارتو سي دو كوميرسون معروفة هذه oui. فيش نباش هما بكري كاين اللي يدي العائلة ديالهم هيه وكاين اللي يجيب هذاك الاسطوانه تاع بكري هذوك ولا كاين اللي مهرومين كانوا بعد بكري الله يرحمهم كيما بن موسى نذكرو كان يخدم مع فضيله الجزيرية الله يرحمها داكوغ نعم الوغ يجيبوا الاسطوانه هذوك
والناس غردايا لا بلبار يسمعوا الشعبي. الور من صغرنا نروحوا للجزائر. داكو الجزائر لا فار انترناسيونال دالجي تي بازا موريتي زيرالدا سما تقدر تقولي بلي تحلوا عينيا. داكو ومع الموهبه من عند ربي سبحانه كيفاهمه وتكون الانسان. داكو ومن بعد ولينا خلطنا للشيوخه وكنت عند واحد الشيخ الله يرحمه هو في الاندلس عم بكر خواجه الله يرحمه سما كومونسيت عنده. اوكي وانا من صغري ندندن من صغري كنت جيتي عليه كله بريمار دائما نحكيها لهم هذو كنت تلقاها في الفلاكات تلقاها ديجا راهم مكروه بهذه الهضره هذه واقع بصح نعاود مي سي بان ايستوار دونك اون اي بروندر سي ايستوار دو عيسى باباعمي. نعم الورد يفتح ويدبال والياسمين يا حليلو يا حليلو الحب ما يجيش بالمال الحب ما يجيش بالمال وزين ليه القلوب يميلو à Guérara. Vous savez, c'est une région qui est un peu particulière. C'est mon amie Sakina qui me l'a fait découvrir. Je reviens 10 ans après. Et là, j'ai rendez-vous avec Monsieur Abdelrahman. Bonjour, monsieur. Alors, guide touristique, natif de la région. Alors, c'est Monsieur Abdelrahman. Oui. Comment ? À votre service, Abdelrahman Abouliakdan. Abouliakdan. Alors, on a rendez-vous avec vous. Vous allez nous faire découvrir des endroits. On va faire de notre mieux. Vous allez faire votre mieux, très bien. Donc on ne va pas en dire plus. Bien sûr. On va prendre nos téléspectateurs maintenant. Voilà. Vous êtes là, bienvenue. Très bien. Marhaba. Avec ces 4x4. Ah oui. Lazem. Le Sahara, c'est rien. Ayemel, on vous suit. Alors je fais le tour. Très bien. Alors dites-nous, Monsieur Abdelrahman, c'est la première étape de notre petite excursion à travers Guérara. Alors, on est où ? On est autour de Guérara, dans les environs de Guérara. D'accord. Guérara est entourée par ce genre de relief. D'accord. C'est un plateau en sous-bassement. Oui. Alors, l'érosion éolienne hydraulique font qu'il y a pas mal de cavernes, de siphons. Tout autour de Guérara, c'est une pierre qu'on appelle Tefza qui est très friable, elle n'est pas très solide. D'accord. Ce qui fait ça crée des formes et des couleurs. C'est avec le vent. Avec le vent et l'eau en plus, parce que c'est un plateau, toutes les pluies descendent vers le bas pour faire. D'accord. C'est l'occasion pour les gens, pour
يعني باسي لي ويكاند ولا لي جون بور سونترين على الاسكالاد. اه وي سي اوسي دور مو جي لامبرسيون كو سا لو كان جو توش سا سي فريت نو سا سي فريت اي بون لا لا ليميت مي سي انكور اسي سوليد بور ريزيستير داكور اون بو فير دي اسكالاد اي تو نو يا توت ان غروب ايسي دو سبيليو اي دو اسكالاد كي سونترين دون سو جور دو دوندوا. Génial, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, deuxième étape, donc. Oui. Mais les bêches, c'est une tête. On va voir l'autre partie. L'un des phénomènes qui entoure Guerrera, c'est les dunes, les belles dunes. Très bien. On y va. Donc, on est parti. Alors, dites-moi, monsieur Abdelrahman, où est-ce que nous sommes? Nous sommes aux alentours de Guerrera, une des villes du Mzab. D'accord. Là, vous avez une grande étendue de dunes. De dunes, c'est incroyable. Voilà. Donc, Guerrera, c'est la palmeraie, c'est les comment on appelle ça ? C'est les grottes Hadou, qui maintenant, c'est les dunes. Donc, c'est bien varié tout oui, ça. Bien sûr, notre beau et vaste pays a toutes les facettes. Super, sublime cette étendue de dunes. Hey là, Pierre Abdelrahman, merci de nous avoir ramenés ici. La moindre des politesses. Alors, monsieur Abdelrahman, vous êtes monsieur Abdelrahman Abouliaqdan. Abouliaqdan. Oui. Abouliaqdan, votre grand-père, fut l'un des fondateurs de Jamiat al-Ulama al-Muslimin, donc Allah ybarak. C'est parmi les pionniers de la presse algérienne. Allah ybarak. Je voulais parler aussi des 4x4. Oui. Donc, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle association, on essaie de se regrouper. Hein? On a fait un stage ensemble. D'accord. Pour se servir de guide aux gens qui viennent nous voir et travailler avec les agences. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Guerrera ? Guerrera, c'est justement pour les gens qui veulent des endroits qui ont commandé, qui m'ont dit que Guerrera offre beaucoup d'opportunités. Alors, vous me disiez. On a pas mal de sites autour de Guerrera. On peut faire tout un circuit, presque de 100 km. Il y a pas mal de phénomènes. Par exemple ? Il y a par exemple le cratère de Medina Talamzan, qui est le deuxième cratère en Afrique. Il y a les falaises et les affaissements de Schafet. Il y a toute l'étendue de l'ancienne oasis abandonnée de l'Ikez, où on peut admirer vraiment des paysages de cartes postales, des dunes avec des petits palmiers, dans l'ancienne oasis, des chameaux qui passent et tout. Il y a une source thermale très chaude. Oui, c'est ça. Où est-ce que tu as dit ? Zerara. Zerara. Qui a des effets thérapeutiques très efficaces. En plus, il y a tout le lit de l'Oued, Oued Nsa, Oued des sept affluents. D'accord. Nsa. Nsa. C'est l'Oued Nta Seba affluent, de sept affluents. Ah, Nsa, c'est Seba. D'accord. Ça, en berbère, en tamazir, c'est Seba. D'accord. Maintenant, il y a toute une de jujubiers, des pistachiers, on peut faire du bivouac, des randonnées, du trekking, de la moto, jouer au boule. Yani passer des journées, une journée bivouaquée, yani, il y a des potentialités énormes. Donc la destination Guerrera, on peut venir ici passer 4 jours, allez. À la limite, oui, c'est le minimum. Je conseille aux gens de venir, même donc, il y a des sites d'hébergement, il y a des les gens ont compris que le tourisme, c'est notre or. C'est notre richesse. Notre richesse. C'est à partir des dunes de Guerrera que notre escapade spéciale Ghardaya prend fin. J'espère, comme nous, vous avez apprécié cette escapade spéciale vallée du Mzab. Quant à moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine escapade.